Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve avec la gendarmerie pour effectuer des contrôles d'alcoolémie. Donc là, on est au petit matin, le jour va pas tarder à se lever et les fêtards vont bientôt sortir de boîte de nuit, tout ça. Donc, on est là pour effectuer les petits contrôles d'alcoolémie pour voir s'ils ont pas trop bu. Donc, oula, ça circule là. Donc c'est parti, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on a un nouveau mode aujourd'hui, c'est le mode sergent, donc pour arrêter les véhicules c'est parfait. Hop là, donc là on va dire de stopper le véhicule s'il vous plaît. Et monsieur, garez-vous là-bas s'il vous plaît, sans me rouler dessus, merci. Voilà, parfait. Donc ça c'est le nouveau mode sergent. Disponible sur le site LSPDFR. Donc monsieur, sortez du véhicule s'il vous plaît. On va procéder... Oula, ça c'est une belle chemise. On va procéder à un petit... petite vérification. Voir si vous n'avez pas consommé de l'alcool aujourd'hui. Donc vous avez soufflé dans l'appareil s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont les gendarmes à s'exciter là? Ok, oula, c'est limite, hein, monsieur. C'est limite, mais bon, ça passe. Donc, je vais vous laisser repartir. Hein. Donc, j'ai rien à vous reprocher. Vous pouvez y aller. Bonne soirée, monsieur. Alors, on va essayer de choper une autre voiture. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont, les gendarmes, là, à danser, là. Ils ont repéré quelqu'un de suspect, à mon avis. Ok, il y a une voiture qui arrive. Eh ben non, elle a tourné. Ah, une voiture qui arrive. Ok. Oula, elle a hésité à venir ici, vous avez vu. Hop là, stoppez-vous. Stop, madame. Oula, je suis où là? Hop, je vais vous demander de vous garer ici, s'il vous plaît. Garez-vous là. On va effectuer un petit contrôle. Bonjour madame. Donc alors... qu'est-ce qu'elle a là? Oh là, je croyais qu'elle avait un revolver à la ceinture. C'est un nœud papillon, un truc comme ça. Ok, donc vous allez me présenter vos papiers s'il vous plaît. Et les papiers du véhicule. Vérifier tout ça. Alors, est-ce que vous êtes recherché par nos services? Non. Ok, donc madame, je vais vous dépister. Je vais faire un petit contrôle d'alcotest. Voir si vous avez consommé de l'alcool. Donc, si c'est... on va voir le résultat. Ok, c'est limite aussi, non? Vous n'avez pas un verre de plus, là, sinon vous ne serez pas reparti avec votre voiture. Je vais vous soumettre un petit dépistage de stupéfiant, madame. Parce qu'elle m'a pas l'air nette, celle-là. Elle m'a l'air un peu fatiguée. Ok, négatif. Ok, bah tout est bon pour moi. Je vais essayer de repartir. Hein. J'ai rien trouvé à vous reprocher. Vous pouvez repartir, madame. Alors, attendez. Faites attention en repartant. Parce que là, ça roule un peu quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Oula, elle va foncer dans les collègues. Ok, elle repart. Parfait. Bon, bah pour le moment, c'est assez raisonnable. Hein. Ils sont assez prudents. Oula, lui pareil. Alors lui, je vais l'arrêter. Hop là, arrêtez-vous. Oula, il y a du monde là-dedans. À mon avis, ça sort de... Ça doit sortir de boîte de nuit, ça. Allez, hop. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Oula, oui. Et oula, délit de fuite, délit de fuite. Ok, délit de fuite. Je vais prendre le véhicule. Ok, refus d'obtempérer. Allez, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Oula, bah oui, à mon avis, eux, ils ont picolé comme des... Et je peux pas les... Pourquoi je peux pas les arrêter là? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez-les. Il est complètement... Oh, ok, ils sont plantés. Ils sont plantés. Et sortez du véhicule là.
Sortez tous du véhicule. Toi, sors du véhicule. Mets-toi à plat ventre. À plat ventre. À plat ventre. Mais les autres, restez dans le véhicule, là. Je vais m'occuper de lui. Hop là, lui, il est à plat ventre. Sortez, vous aussi, là. Et hop. Mettez-vous au sol. Au sol. Au sol, tout le monde, là. Au sol. Mets-toi au sol, là. Voilà, parfait. Et toi, là. Et l'autre, il reprend le véhicule. Tu fais quoi? Oui, bah oui, sors du véhicule, toi. Mais, oula, ça a bugué, là. Ok. Donc. Monsieur. Main derrière le dos. Déjà, premièrement. Parce que là, après ce que vous avez fait, là, j'ai pas confiance en vous. Alors, monsieur. Oula, oula, oui, oui. Bingo, ça sent l'alcool à plein nez. Ça sent l'alcool à plein nez. Donc, alors, je vais pousser mon véhicule, là. On va faire nos petits contrôles tranquillement. Nouveau véhicule indisponible sur le site de la Barreau Team. Regardez, il est magnifique. Le lien sera dans la description. Ouais, je vous mettrai le lien dans la description, les amis. Donc alors, vous, je vais vous mettre les menottes aussi, là. Bon, j'y arrive pas. Il y en a un qui s'est barré, à mon avis. Oh la vache, lui, il sent l'alcool. Monsieur, je vous demandais de souffler dans l'appareil pour déterminer votre taux d'alcoolémie, là. Parce que je sais que vous avez bu, ça se sent déjà. Et je vais juste vérifier. Oula, oula vache, il m'a explosé l'appareil. Il m'a fait péter l'appareil. 0,21 pour 0,08. Et lui, il se relève. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui. Oh. Monsieur, oh. Tu fais quoi, toi? J'arrive pas. Ah bon, hop. Mets-toi au sol, toi. Mets-toi au sol, voilà. Toi, tu vas pas repartir comme ça, d'accord? Oh, mais oh. Là, vous avez forcé un barrage de police, hein, quand même. De gendarmerie. Donc, voilà, quoi. Toi, mets-toi au sol. Hop, mets-toi à genoux en attendant. Je n'ai pas fini avec ton collègue, là. Donc alors, monsieur, on avait dit 02 pour 08. 008, pardon. Donc, autant vous dire que vous êtes largement au-dessus de la limite autorisée. Hein. Donc, vous allez venir avec moi. Vous allez terminer votre nuit en cellule. Venez là. Je vais vous ouvrir la porte. Ah, je peux pas le mettre dans... Ah mince, il n'y a pas de porte là-bas. Oui. Est-ce que je vais pouvoir le monter dans ce véhicule-là? Non, attention, unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert in Little Seoul for possession of drugs for sale. Bon, bah messieurs, je vais appeler un collègue de la gendarmerie, hein, pour qu'il vous emmène. Backup needed. Vous allez passer la nuit en garde à vue et vous expliquerez demain matin sur vos faits là. Parce que vous avez forcé un barrage de gendarmerie. Donc là ça va aller chercher loin tout ça. Vous serez arrêté tranquillement à mon contrôle. Ça serait pas passé comme ça. Allez. On va aller retourner à notre dispositif là. Oula, oula vache, j'ai failli percuter un véhicule. On va retourner là. Bah, il est où notre point de contrôle? Ah, il est là-bas, j'ai eu peur. Ok, nous revoilà, messieurs. Petite course-poursuite là avec des individus. Ils sont encore en train de danser. Bon bah ok. Ok, on va aller arrêter ce véhicule. Oh mince. Ah ah ah, qu'est-ce que je fais? Non non non, tu fais quoi là? Mince. Ok, bah lui je l'ai loupé. Mince. Tant pis, on va prendre le prochain. Ok. Oh. Ah, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour dès qu'il... Ah, ok, ça je prends ça. Ça je prends. Il a fait demi-tour dès qu'il a vu le barrage.
Ok, oula, j'ai défoncé un panneau, c'est pas grave. Oula, oui. Alors, attendez. Parce que lui, il roule pas droit non plus. Hein. À mon avis, lui, c'est un bon client aussi. Je vais lui demander de s'arrêter. Ok, il veut bien s'arrêter. Il est coopératif, donc c'est bon. Bonjour, vous allez me suivre, s'il vous plaît, madame, là. Vous allez me suivre, on va se garer dans un endroit sécurisé. À mon avis, elle est louche. Alors, où c'est qu'on va se garer? On va se garer ici. Hop là. Est-ce qu'elle suit? Ouais, parfait. Ok, je vais approcher le suspect tranquillement. J'espère qu'il va rien se passer de louche. Bonjour mademoiselle. Alors, votre identité s'il vous plaît, papier du véhicule. Merci. Je vais faire une petite vérification de votre identité. Vous n'êtes pas recherché de nos services, non? Tout va bien à ce niveau-là. Ok, parfait. Je vais faire un petit contrôle d'alcoolémie, si vous voulez bien. Donc, je vais vous demander de souffler là-dedans. Souffler dans l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, mince, ça, c'était le test de drogue. Donc, négatif au niveau des produits stupéfiants. Maintenant, au niveau de l'alcool. On va voir ça tout de suite. Ok, zéro. Oh, ça, c'est louche. C'est louche. Je vais vérifier. Je vais fouiller votre véhicule, madame. Je vais faire une identification de carte, là, de plaque d'immatriculation. Target license plate. 8, 2, Tom, Sam, Young, okay, 1, 5, 1, règle. No, 1099. Pourquoi là? Alors, attendez, je vais continuer de fouiller le véhicule. Parce que c'est bizarre ça. Dès qu'elle a vu les gendarmes, elle a bifurqué d'un coup. Ça, c'est louche. Oups, oh, pardon, excusez-moi. J'ai défoncé sa bagnole. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beau moteur. Hein. Ça doit pousser comme véhicule. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Bon, bah, j'ai rien à y reprocher. Bon, bah, madame, hein. Vous pouvez repartir, hein. J'ai rien à vous reprocher, tout est en règle. Allez-y, bonne journée, bonne fin de soirée. Bon, ça c'était louche, mais bon, j'ai un peu rien à y reprocher, donc c'est. On va retourner à notre point de contrôle. Alors, c'était où? Parce que moi, niveau orientation, là... Oula! J'ai encore défoncé un panneau. Oh bordel, je vais me faire... Je vais me faire engueuler par le major. Alors, attendez, je suis perdu, là. Faut aller ici. Je vais mettre le GPS, parce que... Ah bah, c'est ici. Ah, voilà. Moi, si j'ai pas de GPS, je suis complètement paumé. Ok, nous revoilà, messieurs. On va faire un petit dernier contrôle avant la fin de cette vidéo. Hop là, je vais mettre le mode sergent en route. Il n'y a plus qu'à attendre. Ok, il y a un véhicule qui arrive. Hop là, lui. Et là, je peux pas. Ah bah, trop tard. Attention, unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for the Grand Theft. Allez-y, vous pouvez passer. Allez-y, roulez là. Allez. Hop là, lui. Hop, on va l'arrêter lui. Roger, dispatch, we are en route. Bonjour monsieur, gendarmerie. Vous allez vous garer sur le côté, s'il vous plaît. Garez-vous ici. Attention, attention à mes chaussures là. Il a failli. Eh, il va où? Mais il défonce notre véhicule. Eh, descendez du véhicule. Ok. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Attention, unit 1, Lincoln 18. Citizens report a DUI in. Je vais vérifier votre identité.
Vous êtes conscience que vous avez percuté un véhicule de la gendarmerie, là, quand même, hein? Ok, votre... Ok, bah, ok, je comprends. Votre permis est suspendu. Donc, vous avez plus de permis, ce qui explique votre conduite. Donc, je vous dépiste, je vais vous faire un petit... Eh, non, je ne veux pas monter là, dans son véhicule, là. Je vais vous soumettre un test d'alcoolémie. Voir si vous conduisez voir si vous conduisez alcoolisé. Voilà, bref. Ok, zéro. Bon, bah monsieur, tout de même, vous conduisez sans permis, donc je vais être obligé de vous arrêter. Mettez les mains derrière le dos. Vous passez les menottes. Hop là. Et vous allez venir avec moi, on va aller à la gendarmerie. Terminer cette soirée. Allez hop, montez là-dedans. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà, allez-y, montez. Et je vais vous emmener à la gendarmerie. On va s'expliquer tous les deux. Voilà, allez, c'est parti. Je l'emmène à la gendarmerie. Et ça sera malheureusement la fin de cet épisode. Donc les amis, si vous voulez un autre épisode de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, ok, parfait. Je vais l'emmener moi-même en cellule. Hop là. Allez. Bonjour messieurs. Je vous emmène un petit nouveau là. Conduite sans permis. Allez hop. Ah c'est fermé. Ah non c'est ouvert. Hop là. Citizens report a possible 503 in Pillbox Hill. Hop. Bon bah monsieur, je vous laisse là. Vous allez vous expliquer avec... mes collègues, et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut.